Wedstrijd tussen de leider Hallegooik. Dit seizoen nog niet verloren, nog niet gelijk gespeeld. Maximum van de punten met zijn 45 stuks. Daarmee dus aan de leiding. Moest het opnemen tegen Borgloon. Vierde voorlopig in de stand. En Luca Kranja, de coach van Hallegooik, had in principe voorzien dat zijn ploeg niet al te veel problemen moest kennen met een Borgloon. Dat in de winterstop serieus moest herbouwen. En we zagen dan ook een redelijke schiettent aan de kant van Borgloon. Maar ook een zeer goede doelman met Antoine Magrin, coach en doelman voorlopig bij Borgloon. En hij deed het uitstekend onder zijn lat, want hij hield heel lange tijd zijn net rein en clean tot Steven Dielien, gisteren jarig 30 geworden, de score opende met een mooie doelpunt, een mooie trap voor de 1-0. Nog 9 minuten 45 stonden er op dat ogenblik op de klok. Vele acties bleven elkaar opvolgen voor Hallegooik. Vele pogingen ook, maar voorbij die Magrin geraken. Dat was een ander paar sokken. Daarvoor moesten we heel diep wachten in de tweede of in de eerste helft, beter gezegd. Mooiste actie kwam van Diogo in die eerste helft. Goede controle, mooie actie. En dan scoren, dat lukte maar niet, want Magrin bleef in de weg zitten tot 30 seconden voor het einde van die eerste helft. Toen Tomic de 2-0 kon binnenjagen en daarmee toch enige geruststelling in die ploeg van Hallegooik, de Vlaams-Brabanders, brengen. Niet al te veel problemen in de tweede helft. We zagen een gelijkaardig spelbeeld met de mooiste goal van de wedstrijd, afgerond door Jelovcic. Na 6 minuten was dat. Alle tussenstations, alle spelers werden bereikt. En mooi tik-tak spel afgerond door Jelovcic voor de 3-0. Wedstrijd lag dan helemaal in de beslissende plooi. Bleef strijd gevoerd worden door Borgloon, dat af en toe probeerde er tussenuit te geraken of tussendoor te geraken. Maar dan tegen die counter aanliep met Tomic. Tweede goal van de avond voor de 4-0. Het was zijn 20ste van deze competitie. De Eredivisie kwam er dan uiteindelijk nog voor de bezoekers. Nadat we nog wat pogingen hadden gezien van de thuisploeg. Alleen die 5-0 die viel maar niet. Nee, het doelpunt kwam er aan de overkant. Na een heel knappe actie van Van der Heijden, de aanvoerder, met een stiftertje over Cristiano voor de 4-1. Knappe actie van Van der Heijden. En het was fraai voor Borgloon dat ze op die manier toch dat doelpuntje konden meepikken. In het slot van de partij nog een paar pogingen van Borgloon om nog wat dichterbij te komen. Alleen bleef Cristiano fantastisch in de weg liggen. Grootste getuige hiervan, kijk nog eens die fantastische reactie. Ik weet niet waar hij de reflexen vandaan haalt, meneer Kautschou. Maar hij doet het maar weer, Cristiano, met de fantastische redding. En zo bleef het 4-1. En deed Hallegooik wat het moest doen, winnen tegen Borgloon. Eindstand in deze partij, 4-1. Voilà, Luca Kranja, la série continue, 16e victoire d'affilée. Jusqu'où vous allez aller comme ça? Le plus loin possible. Je pense que l'objectif, c'est de gagner tous les matchs auxquels on s'engage. Donc une victoire aujourd'hui, je pense que peut-être pas notre meilleur match, peut-être pas le meilleur visage d'Hallegooik, surtout au niveau finition. Il faut dire qu'on est tombé sur un très grand gardien adverse. Je pense qu'il faut tirer le chapeau à Antoine Majeron. Il a prouvé aujourd'hui qu'il était certainement l'un des meilleurs gardiens en Belgique. Et voilà, on a pêché un peu la finition, on a dominé le match, je pense qu'il y avait peut-être 90% de possession de ballon. Dominé le match de la tête et des épaules, mais pas faire la différence au marquoir. Et voilà, le match était là, mais on doit aussi savoir se contenter de gagner avec des scores comme ça. Et l'équipe de Borgloon qui a joué aussi fort défensif, hein. Oui, mais on est habitué. Je pense que toutes les équipes jouent contre nous de cette manière. Il faut tirer le chapeau aussi à Borgloon pour son organisation. Je pense qu'ils étaient bien organisés, bien groupés devant Antoine. Ils ont fait le boulot, ils ont fait ce qu'ils étaient venus pour faire.
Malheureusement, comme je dis, il y a des fois où on joue des matchs, après 5 minutes on marque 3 goals et c'est tout à fait différent. Ici on a laissé Bourglone dans le match, on a laissé Bourglone concentré et avec de l'envie, on a rencontré une belle équipe, il faut aussi remettre le mérite à l'adversaire. Même si on n'a pas fait notre meilleur match, je pense que c'est aussi dû au match de l'adversaire. Et puis en fin de match, il y a quand même quelques occasions pour cette équipe de Bourglone, mais il y a eu quelques arrêts de Cristiano vraiment, encore une fois, déterminants. Hein. Oui, je pense que pendant 35 minutes, ils n'ont quasiment pas eu d'occasion. On a bien fait le job à ce niveau-là. On a laissé très peu de contre-attaques, on a laissé très peu d'occasions à l'adversaire. C'est vrai que les 5 dernières minutes ont été un peu plus difficiles avec des occasions, un but. Mais voilà, ce n'est pas évident non plus. 4-0, il faut garder la concentration. On a aussi notre tête un petit peu qui part vers le match de mercredi. Une demi-finale aller ici qui sera très importante. Peut-être contre Bourglone ou Herentals. Donc voilà, je pense qu'on a bien géré le match. On a fait ce qu'il fallait, on a fait le job. Pas plus, pas moins. C'est vrai que ça s'enchaîne. Hein. Maintenant, il y a la coupe, il y a encore le championnat. Il faut garder des forces hein, avant les prochaines semaines. Oui, on savait qu'avec notre mois de janvier, on n'a pas joué en championnat d'Europe. On savait qu'on allait devoir jouer plusieurs matchs. Je pense que c'est la troisième semaine où on joue deux matchs d'affilée, deux matchs sur la semaine. Et la semaine prochaine, on est encore reparti pour deux matchs. Donc, il faut savoir gérer ça. De temps en temps dans le match, voilà, il faut savoir gérer. Il faut aussi gagner tous les matchs. Et gagner d'un goal, c'est une victoire, c'est trois points. Donc, il faut savoir aussi gagner d'un goal ou gagner d'un score plus étriqué que ce qu'on a l'habitude de faire.